13 novembre 2016, 13 novembre 2023, 7 ans aujourd'hui que Laurent Pocou nous a quittés. En ce jour de commémoration de la disparition de celui qui est considéré comme le plus grand footballeur ivoirien de tous les temps, eh bien, Eustache Niaba, Armel Yao et Marco Seri vous proposent un témoignage exclusif de son fils, Erwan Pocou. Je suis Pocou Edouard Erwan, fils de Ndri Pocou Laurent. Tout père est star aux yeux de ses enfants, mais une fois qu'on a dit ça, on tombe peut-être dans des clichés. Mais je peux dire que c'était un monsieur très simple, qui était vraiment disponible pour sa famille. Il était quelqu'un qui avait le don de sa personne pour sa famille et pour ses proches. On a eu une éducation très très bonne, pour moi avec ce qu'on appelle valeur familiale. Et bon, quand on dit valeur familiale, ça peut être un fourre-tout. Moi, déjà, ce que j'ai déjà à l'esprit, c'est le don de soi. En tant qu'un attaquant, eh bien, on ne demande pas mieux. Un attaquant, c'est de marquer le but. Vu ses activités footballistiques et vu sa posture nationale et même internationale, il était beaucoup demandé et il fallait qu'il réponde à ses sollicitations. Ce qui faisait qu'il était souvent parti. Et donc, ma mère, avec beaucoup d'amour quand même, a pu quand même nous donner une éducation que je pense n'est pas trop ratée. Buteur, Laurent Pocou l'est assurément. Mais c'est surtout un dribbleur diabolique, un merveilleux dévoreur d'espace, un footballeur d'exception. Il paraît que c'était très très bon joueur de tête, très véloce, dribbleur, fin dribbleur. Voilà, tout ce qu'on aime aujourd'hui pour l'attaquant qui fait plaisir pour le beau jeu. Et voilà ce que je peux retenir. Mais sinon, tout le monde disait, ah mais oui, même comparativement, même des fois, quand les matchs, ah mais ça, si c'était Pocou, voilà, il aurait fait ci, il aurait fait ça. Mais vraiment avec beaucoup d'admiration. Ce match où il a retourné la situation en étant rentré, après combien de temps où ils étaient menés, il a retourné le match en 5 minutes. Et puis aussi un match vraiment très, très féroce contre une équipe de la Guinée. Voilà, un peu ces deux anecdotes-là qui me reviennent le plus souvent. Dire que j'ai peur de coups, enfin, la question n'est pas grave. Le coup, quand on donne les coups, ça fait bien mal, mais écoute, quand on accepte de faire du sport, il faut s'attendre à ça de temps en temps. Il n'y a jamais eu de séance où on s'assoit et puis M. Pocou en train de parler de ce qu'il a fait. On a toujours eu ces informations-là d'autres personnes. Ah mais tu vois ton père qui est là, mais c'est un monsieur, il a eu à faire ci, il a eu à faire ça. On vous dit non qu'il y a le stade, un stade. Et vraiment un bijou architectural, ce que j'ai vu, va porter le nom de M. Laurent Pocou, qui est mon géniteur. Écoutez, on reçoit ça un peu comme un film. Pour l'instant, on ne se dit rien du tout. Il faut qu'on y soit, il faut qu'on soit présent. C'est une fois qu'on est présent, qu'on voit le stade. Pour le stade, j'ai été informé par le président de la fédération, Idriss Diallo. Mais pour le ballon, cela s'est fait plus tard. Bonsoir, Erwan. Bonsoir, Connie. C'est vraiment une émotion heureuse. Beaucoup de fierté. Après, j'ai compris que c'était des choses qui étaient discutées, qui n'étaient pas encore entérinées. C'est plus tard que je l'apprends. Alors donc, quand on finit de discourir et de faire toutes les cérémonies au stade, bon, après, il me dit, ah, Erwan, il faudrait quand même te rendre disponible que c'est peut-être pas fini. Voilà.
Donc ça, c'est comme ça que j'ai l'information et que peut-être qu'on pourrait encore avoir besoin de moi. Et il m'a appelé un peu plus tard pour me dire que, bon, voilà, il y a quelque chose qu'on était en train de voir avec la CAF et ça a été accepté. Il y a le ballon, parce qu'à chaque CAN, le ballon porte un nom. Et le ballon portera le nom de ton père, de notre star, Laurent Pokou. Ce fameux trophée à Asmara, qui se retrouve chez un de ses amis. Alors, il est revenu, il a laissé ça chez son ami, et il n'est pas revenu chercher, quand bien même cet ami le lui a rappelé. Il y a un musée qui doit être justement agrémenté, servi par tout ce qu'il a pu faire. Donc, on cherche encore même tout ce qu'il a pu avoir comme objet qui reparle un peu de son parcours footballistique. Ce que vous devez retenir de M. Laurent Pokou, en dehors de tout ce qu'il a apporté dans ses qualités sportives, c'est un être charmant, aimant et vraiment qui a le don de sa personne.